comment est-ce que l'armée est organisée. Un avion. Oh yo. Ma Congolais va foutre lio. Aucun à Burundi. Je suis venu ici pour voir comment votre armée est organisée. Enfin, que nous dupliquer en haut na Congo. Ça, c'est moquer des militaires congolais. C'est moquer des militaires congolais. S'il faut faire des alliances avec tous les Congolais qui sont animés de la bonne volonté de la Rwanda en 2023, il faut le faire. Bato va traiter Kabila de Rwandais. Bato va traiter Kabila de Burundais, Ougandais, Tanzaniens. Lelo, tant est rétabli en vérité. Que Bango Moro va être plus rwandais que Kabila. Le régime actuel sur le plan sous-régional, partenaire n'a pas privilégié, c'est qui? C'est Paul Kagame. C'est Yoweri Kaguta Museveni. Tout le monde a été sur Ouganda, a bien été partenaire. Parce que Marambwa Katanga, l'Union sacrée a peur. Peur de quoi? Parce que leur bilan est négatif. L'Union sacrée a toujours travaillé. Dans l'officine, dans la Mouli, pour déstabiliser les Katanga, pour diviser les leaders Katanga. Pour dire que ceux qui Katanga sont divisés, les leaders Katanga sont divisés, pour créer troubles dans les désordres dans l'espace Katanga, pour conseiller les conseillers, pour les gens qui sont belés, que certains membres de la famille présidentielle, pour les carrés miniers. Comment vous faites dans la Katanga? Balongwa qui ça bah comment qu'on fait dans la Katanga pour Joseph Kabila azali congolais azali humble na mona na nos hommes politiques il y a humble net Joseph Kabila tu na mbokao Kabila subit les humiliations. Rappelez-vous na 1+4 Kabila chef de l'État azali na vice-président ma vice-président wa net Jean-Pierre Bemba Cortez, mi balé koutani. Ah, on a Kinshasa. Na Kinshasa. Ba soldat et vice-président. Ba biso trop tikandela te. Président de la République, neuf fois tikandela. Bon, kitsa liboso, ba tila ke liboso, ba totu na simana yenge, kolaksani, ba msou ba lobi eke, ako soufri, ne nanakin de ko Patrick et la lobi, ako soufri na posa et kitsa bo kondinde, ba sala ki yon po yon lomolay moi souci. Côté là, moi qui suis libosso et bâtonnier. Dégoulangaï. Voilà, on a un robot communicant et l'Union sacrée n'a pas de peste. On a un discours, il y a un taliban, il y a un robot communicant. Tellement les images d'hier, et puis ça qui va en souci, et puis si va en insomnie, il va aller pour unité. Parce qu'il y a même un accoutrement de Joseph Kabila Lati. Aux hommes, Malouki n'a fond. Et là, on va critiquer la réconciliation katangaise et zalite. La commission est bloquée au Moko, on doit bien la futilité, accouplement. Qui n'a pas d'importance. Qui n'a pas d'importance par rapport à Yaba 6 ou Il y a niveau Makamou. Il y a niveau Makamou et Zalaki. On dit déjà que Bazaki n'est pas les matés. Kiti, est-ce que Joseph Kabila Moutaché Bazaki va organiser les kits ou Kiti Mais dans ce moment, il y a des gens qui ont été battus les actes, il y a des gens le problème, c'est que ma réconciliation. Si on a une réconciliation, on a dit ça. On a dit que c'est hôtel. Mais si on a vu que c'est un hôtel, on a Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes et fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, partout où vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue dans votre émission Réflexion.
bandeko ya kongomani nyonso na kati ya mboka tope libanda mboka mbote na bino bisika bozali boyei malamu na emission na bino réflexion oto ya mbela kabino bana mboka pona ko décortiquer oyo eza ba actualité politique na mokola lelo na zanga moko te na plateau na nga na zana mwana mboka moko azali cadre ya parti monene ya parti politique PPRD ndeko Serge Tubin na yende to kosolola oyo etali mayi politique bomoni na katanga mwana mboka Joseph Kabila ya qui na jour à souka na forum makambo eleki kitoko vraiment mingi tomoni dîner na souka tomoni maloba na ye alobaki o bato ebele bako interprétant avec la bouche autorité autorisée plutôt ya PPRD na ine to kosola to eba nini vraiment oyo bango bako bomisa mbote mwana mboka mbote ndeko merci pour l'invitation merci na ba landinyonso ya ma mission TV ba yalanda biso na mokili mobimba. Merci à l'équipe technique, merci à la patronne, Madame Bibi Kapinga, là où elle nous suit. Et je suis content de l'invitation au Pressingaï. Merci beaucoup. Ça fait un bon moment que je ne suis plus passé dans ma mission. C'est toujours un plaisir de partager un plateau chez vous. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions pour établir l'actualité politique en Mboka na biso. Tomeka, couper ça, un autre son de cloche. La population, aïba, qu'est-ce qui se passe réellement dans Mboka na biso, mais aussi dans le monde. Merci beaucoup mon Mboka. Tomona kibino batwali boso penza ya ko claquer porte dans l'Assemblée nationale parce que boloba qui est que ndenge makambo ko kenda pona révision à loi électorale les amala montes si manabino tomona G13 a dira qui pona ko participer na ba plénière pona révision à loi électorale na si manaye pe a claquer porte à lobby qui a beleli makasi à lobby qui a komona lokola fraude et ko linga ko salama na nyonso wana tomoni bakipe bino te bango ba ko avancer boko sala boni po bokenda na ba election matoni mingi ndeko et loko le bosso avant de répondre à mutuna na wana c'est dans le même ordre d'idée et j'ai carré ma mutali à l'Assemblée nationale te to banda ki ko boya depuis longtemps ma esale maki na cour constitutionnelle nomination à Kalouba na ba collègue na mususu ba juge. Ok. Mutation à bas juge au bazala qui ouana et pas émoussous. Tout le bas qui n'attend ouana qui et seulement qui en violation en constitution. Mais bah bazala qui clairvoyant. Bah il va la namibeko. Bah pense qu'il a raison. Bah émoussous au bazala qui diabolisé, bazala qui aveuglé. Bah émoussous au bazala qui envoûté pour que battre tes bisous. Tu as monté ma mabé, mandoki, tout ça. Les lots, les temps et rétablir ma kamouna. Le contexte dans où parce que, mouto ba nouma qui na violation. Ba longo liepe na violation en constitution. Ok. Tout le monde les lots, ba terre politique et belé à mon cannabiso, ba télémélé en. Très bien. Ça prouve à suffisance que constance na biso na maïe, tout ça, koloba. Et zo, kende au fur et à mesure, qu'on peut s'habiller sur raison, et puis population se comprendre bien. Tout le bas qui botia mi a gouvernement, oh y a ça malukoni, que c'était en violation de la constitution. Plusieurs ordonnances prises par les chefs de l'État, nommant les gens à magistrature militaire, civile, armée, tout ça, c'était des ordonnances qui violaient la constitution, okay. Qui violaient plusieurs lois organiques, la nimela a bisauté. Mais vu le temps, les lots, vérité et zo kende pour ça la que population à comprendre ce que le FCC, ce que Joseph Kabila pensait. Tu as comme la loi électorale. Tu as bango. Une loi électorale, c'est une loi qui doit mettre tout le monde d'accord. D'accord. Parce que tu as dit que tu as ma pounami est ma karaté avec un camp politique. Très bien. Ma pounami, il faut essayer avec toutes les forces vives pour permettre que tout le monde ait une transparence, apaisée. Mais aussi, et qu'on peut avoir contestation en 2023, loi G13 à Kotisaka, c'est une belle loi, c'est une bonne loi à l'époque. Mais toi, tu sais G13, que vu Mouté Mabembe, l'aspect à nuisance aux Ezali, Nakati, il y a M. Félix Tshisekedi et sa bande à Union Sacrée, mais aussi, Maïwana Mabé a inculqué Nakati, il y a Mbosso, na M. Bati,
au bas gérer parlement les locaux comme qu'est-ce la résonance naïe loi on est posé la modifier et posé la saucissonner de bout en bout parce que la guerre sauté on nous a traité que tous amis étaient pas ma bête j'ai très à côté mais les locaux j'ai très à peine sur raison tant au bas côté mais le micro qui est belé bima parbi pas de débat débat est allé dans le sens unique. Tout ce qui a été proposé comme nouveauté, comme changement à la loi électorale, bah longo liango. Mais y a cas les gens qui n'étaient pas qui, n'étaient pas fondamentaux na loi y a cas là. Oh yo, bah même qui n'a qu'à la loi wana pour que tous dans le processus électoral moko plus équilibré, oh tous dans le processus électoral moko, oh yo, et quoi peser bah tout nous sont bah longo liango, bah bimi, bah ils vont rejoindre Bissau. Au moins que position na biso, ils avaient une position confortable parce que connaissant l'homme, monsieur Tshisekedi et tous ses adeptes, tu as vu que un, baza batuya, yoyo, baza na valeur y a parole d'honnêteté, y a mis balé, ils ne respectent pas les textes, y a mis ça tout, ce sont des gens à qui les Congolais ne peuvent pas faire confiance parce que nourriture na bango, plat préféré na bango en termes de gestion. Ils allaient violation de loi, ils allaient corruption, détournement, au Ekangi Bangonzoto, et ça va continuer comme ça jusqu'en 2023. Nous, en tant que FCC, nous, en tant que PPRD, notre position est connue. Tant que le préalable concernant les consensus autour, il y a loi électorale, la procédure, c'est la banque, il y a nomination, désignation, il y a bureau, il y a CENI. Nomination à niveau secrétaire technique, qui est un organe important pour nous. Nous ne sommes pas d'accord. Si ces préalables ne sont pas pris en compte, nous allons continuer à résister. À résister parce que le régime en place s'arrange toujours à violer la Constitution. Et nous, en tant que PPRD, nous sommes une grande famille politique, une force politique. Nous, en tant que FCC, nous sommes toujours PPRD, toujours congrès dans le mois de juin. Congrès, ils allaient organe suprême, il y a parti. Et qu'on permette de lever des grandes options sur le procès électoral, sur les candidats du PPRD dans l'élection en 2023, sur tout ce qui concerne la gestion en Mboka, nous allons, au cours de ces congrès, lever les grandes options où il y a coupé Sabino. Et vous allez mettre sur la place publique pour qu'enfin, bah, on va comprendre directive ni togozoa sur le plan politique, enfin de mettre les mécanismes, enfin de mettre les énergies ensemble pour qu'en 2023, nous allons mettre hors état de nuit, monsieur Tshisekedi, l'UDPS et la fameuse union diabolique qu'on appelle l'union sacrée, hors état de nuit, parce que ce qui est en 2023 ou 2024, il faut risquer et disparaître. Et bon, ce qui est binoté, parce que tout à l'Iboso, il faut qu'il binoté, mais avant ça, qui quand même. Et bon, cette fois-ci, ce qui est en Kolobate, nous sommes dans la résistance. Nous sommes d'ailleurs en train de mener des actions sur le terrain. Nous sommes en train de sensibiliser la population. Nous sommes en train de mobiliser les troupes pour barrer la route à tout ce qui s'est fait. Pambate, le pays, ils ont couru dans un moko ya makasi. Ce qu'on l'a dit même les lots, mais ils allaient qu'au sal mission en termes de gestion. C'est très grave. Ce qu'on a dit, les lobes, discours, il y a Tata Mokonzi. C'est très contradictoire, c'est très dangereux pour notre pays. Notre pays risquerait de disparaître parce que nous avons des gens qui n'avaient pas compris. Enjeu, tout enjeu à Congo, en tant que pays, espace d'ambition sous-régional, mais aussi enjeu à Congo, la valeur à Congo sur le plan international. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tâtonnements sur le plan de gestion. Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance à Batoyo, qui sont en réalité des incompétents qui n'ont jamais géré. Au sommet de l'État. Nous ne pouvons pas faire confiance à Batoyo, qui est même, banana va partir, on va respecter le texte, il y a un peu de temps, il y a un peu de culture,
y a violation de texte. Bah même si culture on a détournement, bah même si culture on a il y a Kozwamboka comme une sorte il y a tribu, to y a ethnie où tout s'est fait selon Azali Moutou ya tribu nangai, Azali Moutou ya famille nangai, Azali Moutou ya entourage nangai. Mboka ezo ke ne ko perdre ba valeur nango, nous n'allons pas baisser les bras. Ce qui baye bazo kanisa, monsieur Mbosso, monsieur Bat, monsieur Samalukonde, qui sont des exécutants qui violent la constitution sur ordre, sur instruction. Il y a monsieur Tshisekedi pense que la résistance que nous sommes, l'opposition que nous sommes, nous allons baisser les bras. Bazomiko, ça parce que aujourd'hui, les Congolais ont compris que nous devons tout faire. S'il faut faire des alliances avec tous les Congolais qui sont animés de la bonne volonté de Robin Gandani de Pest en 2023, il faut le faire et nous allons barrer la route parce qu'aujourd'hui, la population est à Sanzibango. Merci beaucoup, mon Amboka. Nakolinga toko tana makambo o Italie katanga po yango neko préoccupé vraiment ba kongomani nyonso partout ba komelinga ba lobie ke Luka vraiment moko ya PPRD tout ne la bango maloba o tata mokonzi amboka kala lobie ngiko latsanini mais avant tout nakolinga toza la pena étape par étape yali boso nungunwe bimi na bande ko na biso a pouvoir ba lobie ke o ko salema na katanga ezali réconciliation ya deux étrangers ezali plutôt complot ya deux étrangers contre le Congo. Merci beaucoup. Avant ya ko répondre mamba katanga banda mai ilikaki na mboka na biso mambo le mankiwa. Je n'ai pas encore fait une émission. Pas de problème. La gang a dénoncé en. On a traité nos enseignants, bato batangi sabiso, qui n'ont pas de niveau. Armés coup de colbaté, ce sont des corrompus, il y a des traîtres et tout ça. Nanyan a vu sa chef de l'État, Lokomo. Un chef de l'État ne se plaint pas. Aujourd'hui, bambo kezo nzinga na biso, à l'étranger, les Congolais eux-mêmes ont compris que. Nous avons un chef de l'État plaintif. Un chef de l'État doit agir pour la bonne marche de la République. Vous pensez qu'à coller la mine. Un chef de l'État ne se plaint pas à tout moment. Ce qu'on a dit qu'il va enseigner Bazali à niveau T. Yozali chef de l'État. Ça fait maintenant 3 ans, donc il est 4 ans, aux Okambamboka. Quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies mises en place pour le recyclage, pour la formation permanente et continuelle. Il y a un enseignant à Bissou. Oyo, Aïe Bissou, à Salem et Salimate. Quelles sont les stratégies, quelles sont les intelligences Oyo, Yéna gouvernement Nebatché, pour que prise en charge à l'enseignant et ça maintenant le lengue sengeli pour qu'enfin enseignant azala na meilleure condition ya ko transmettre matière naye ye mokope azwa ma coquille ya ko sala moi mise à jour par rapport à tout ce qu'il a appris pour qu'enfin enseignant na biso et ken li boso rien. Mais vous êtes les premiers ya ko les enseignants n'ont pas de niveau, c'est très triste. Et les choses comme ça ne peuvent pas se dire à l'étranger par un chef de l'État. Mais est-ce qu'il y a aussi tant à l'oubli bon? Vous dites que notre armée est allée infiltrer, notre armée est allée très, certains sont dans la corruption et tout ça. Mais qui nomme les généraux? N'est-ce pas le chef de l'État? Commandant suprême. Commandant suprême des forces armées. Qui fait les mises en place? C'est lui. Si vous constatez qu'il y a des infiltrés, qui a des traîtres, si vous constatez que la corruption bat son plein dans cette armée, vous n'avez qu'à changer des gens, à mettre d'autres personnes, pour qu'en fait, que Moussa les salim. Mais vous n'avez pas tout le temps, il y a comme ça, le point de presse, il y a une mission pour se plaindre. Aujourd'hui, l'État est faible. Le leadership au sommet de l'État est faible. C'est un faux débat. Un faux débat. Bato va traiter Kabila de Rwandais. Bato va traiter Kabila de Burundais, Ougandais, Tanzaniens.
Lelo tant et rétablir vérité. Que Bango Moro Baza plus rwandais que Kabila. Les régimes actuels sur le plan sous-régional, partenaire n'a pas privilégié, c'est qui? C'est Paul Kagame. C'est Yoweri Kaguta Museveni. Tout le monde a kepé sur Ouganda, a bien kepé partenaire. Bake Kuna na Ouganda. Bake Awa na Yogi Bake Ake Burundi. Na Kenya les sous. Partenaire n'a pas privilégié, c'est le Kenya. Alors, Kakabani Lotika, côté Kakabango, Sokozi Bango, régime na Bango, na Kabila. Le régime actuel a signé des contrats avec le Rwanda. Les contrats où les alliés bâclés. Les contrats où ils les lots. Le journal officiel les a ratés. Montant, il y a un contrat où il y a un contrat. Makamoune Rosalema, il y a un raté. Il signé un contrat dans Ouganda, il y a un tonginze là. Tu sais ce qui est non? Contrat où il y a ce sont des contrats bâclés, de gré à gré. Est-ce qu'on a déjà que Kabila a le pouvoir de signer un contrat en Rwanda? Que va soit minéré à Congo, qu'il ne soit traité en Rwanda. Rwanda est sali par les îles pour avoir un abisso. Il y a beaucoup d'abisso. Kabila n'a pas fait ça. Kabila n'a jamais appelé Kagame son frère. Kabila n'a jamais dit que Kagame était son frère, son partenaire privilégié. Kabila a tracoté là, Kagame est tapis rouge en Kinshasa, ça va être mon bon. Mais ils ont fait ça. Ah ouais. Maintenant, il y a Kondo Tshisekedi, il perd son âme. Attendez la Kagame, tapis rouge. Bah, Kagame, yo na nyo boya Kagame, na stade de martyr. Lolo, nous subissons. Bah, l'objet qui est bah, rebelle, bah, Zali. Oh, bah, mboka, bah, boto la ki. Bah, oui, armée américaine, yaka, ah ouais. Yaka, pena. Oh, bah, ça, là, il est au côté. Armée américaine et Yaka Oa, bah Sali, bah joué tout un gouvernement avec mon aéroport en deal. Bah joué RTNC, direct, l'armée américaine est venue avec les matos et tout ça, guerre n'a été aussi là. Banda Baya, contre Randi armée Wana, bah Moka Baboku, Babotola, ce qu'ils sont en train de faire, tu es Baranagati. Armée kenyane et Yawa, est-ce qu'on doit suite Yamarambazo Salakuna? L'armée rwandaise est sur le sol congolais, l'armée ougandaise est sur le sol congolais. Même l'armée soudanaise est sur le sol congolais. Résultat zéro. Bazo Bomabatu, Kolekakutu, avant état de siège. Raison état de siège est comme il est là. N'a pas même ministre, n'a pas même cadre de l'Union, ça va être un peu. Oh non, au moins l'immobilisation est salée, n'a pas régime financier au niveau de la frontière et tout ça. Est-ce que c'était ça l'objectif à état de siège? Mobilisation à recette, il y a un régime financier, il y a une structure financière où ils allaient dans la frontière. L'objectif de l'état de siège, c'était de stopper Makila et les Congolais. Qu'on mette la main sur les inciviques qui tuent nos frères. Mettre fin à la carnage de Salmana Est. Mais aujourd'hui, le bilan est catastrophique. Plus de 7000, certaines sources de la société civile locale parlent de 10 000 personnes pendant l'état de siège. C'est très grave. Donc, Marambwa Katanga, l'Union sacrée a peur. Peur de quoi? Parce que leur bilan est négatif. L'Union sacrée a toujours travaillé dans l'officine de Mouli pour déstabiliser les Katanga, pour diviser les leaders Katanga. Pour dire que ceux qui Katanga les ont divisés, les leaders Katanga les ont divisés, ils ont créé troubles dans le désordre dans l'espace Katanga. Bazoa ba conseiller na bangwawa bazoa ba te belé fils ngoko to lobaki que certains membres ya famille présidentielle bazoa ba carré minier ba comment ko fana na bango na katanga ba longwa ki sasa ba comment ko fana na katanga pour que ba profiter ba piller systématiquement ba minerai ya mboka na biso. C'est fils ngoko qui le dit ba vidéo ezali. Alors ils ont beaucoup travaillé sur la division, il y a le leader Katangé, il y a la province de Katangé. Afin que cette province soit faible. Et Bango na niveau na Bango va profiter na yango pour faire oignon sur Balingaki au sala. Mais maintenant les Katangé se sont réveillés. T'as dit non? Nous ne pouvons pas être divisés. Parce que division à leader Nabisso,
Ils ont un impact négatif sur la province, sur la solidarité katangaise. Il faut t'offendre en tant que frère et soeur. On a une divergence de la politique. Pour l'intérêt de la province. Alors, et ça, c'est ce qui passe. D'ailleurs, l'objet l'a quitté. Des insomnies. Parce que pour nous, les Katangais ne pouvaient pas s'asseoir pendant 4 jours, 5 jours ou 6 jours pour réfléchir uniquement pour le développement de la province de Bango, pour réfléchir sur la solidarité katangaise, pour réfléchir. Na province et Kenelibosso. Si que côté eux batébé bakotou na bakongo mané belé bakotou na balobi et que forum et bandi batotou bazalaki to moni charmant et Moïse Katumbi azalaki wana batotou bazala bazala vraiment ba notable ya katanga bazalaki mais mon mboka Joseph Kabila yaye na souka ponani. Bon. Président national de la partie Nabisso le camarade Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Azali Mouto Azali a un calendrier très chargé. C'est un homme politique. C'est un père de famille. Quand on m'a annoncé Bada Touana, Azala qui peine un déplacement. Tout maïe moussous, ma kamboza rosala, Awana Kishasa, Awana Congo, peine à Mikilia Poto, tout à Mikilia Bapaya. Il était obligé. Pour répondre à mes invitations voilà, politiques. Et enfin, à la Kaki Banekone Katangé, je me ferai cet effort d'Akoya à ta Mokolo Yasuka. Mokolo, si Zouana est la culture, vous pouvez évidemment que Yemoko Azali symbole ya paix. Joseph Kabila, Azali Congolais, Azali humble. Na mona na no homme politique il y a humble net Joseph Kabila dit. Na mbokao. Kabila subit les humiliations. Rappelez-vous na 1 plus 4. Kabila chef de l'État, azali na ba vice-président. Ba vice-président wa net Jean-Pierre Bemba. Cortège mi ba le koutani. Ah wana Kinshasa. Na Kinshasa. Ba soldat et vice-président, ba biso to tika ndela te. Président de la République ne fois tika ndela. Est-ce que au moins qui posa qui problème pas à Kabila? Parce que azali muto azali passionné na Congo. Azali muto ya kimia. Alobi so qui pour nzela. To boma ba tout. To ko tangisa makila ba Congolais te. Bo tcha cortège na nga pebeli, bo tika yale. Ça s'est produit plusieurs fois. Jean-Pierre Bemba Leka. Ça prouve combien l'homme est humble. Rappelez-vous toujours dans 1 plus 4, les bavures commises par certains ministres, comme le pauvre Nîmes et autres, lors de certains conseils des ministres, des langages déplacés. Est-ce que Okakake Kabila a renvoyé un ministre pendant 1 plus 4? Il avait tout encaissé. Parce qu'il savait qu'il avait un rôle important à jouer au état de kimia réconciliation. Et il a laissé passer pendant 1 plus 4 Karambouko. Au lieu était conseil des ministres Zali, vice-président aïe, qu'on fait un président. Et si le président, il faut Fanda, à président du conseil des ministres. Voilà, vice, Bimba. Vice, ben oui. Vice-président aïe, qu'on fait un acquis président. Président Ayé, Joseph Kabila Royokota, a côté vice-président Afani Nakiti Naye. Alobité, sur les apôts Nakiti, conseil des ministres Koki Koukata Nate. On ne va pas faire un spectacle de désolé. Est-ce que vous avez dit que Jean-Pierre Bemba Zaï na moi. Joseph Kabila Koubanga Pounanine, parce que c'est lui le chef de l'État. Azan a armé, Azan a servi sur Nyon, sur Koubanga Nine. Un sportif né à Obangani. Mais non, oui, tu as tout le monde. C'est un sportif né. Bon, là, il n'y a pas de preuves. Ce sont de. Batoune Babangaraye. Zakari Bababa Salobango. Non, est-ce que nous pouvons faire foi dans ma loba et Moutoune de Zakari?
Aujourd'hui, si c'était M. Tshisekedi, il aurait salimenté. Si c'était le régime des leaders PES, il aurait salimenté. Kabila, c'est le symbole de l'unité nationale. Kabila, c'est le symbole de la paix, de la réconciliation. D'ailleurs, à l'Obaka, slogan a-t-il le nom Ali? Mon même imaki, à Bundakate, à Swanakate. C'était plus précieux par rapport à ma caprice et à ma tout. Il dictait pas Vital Kamerhe. Attends, le bien qu'il dictait pas Vital Kamerhe. Et ça ligne. Bah, on peut le Vital Kamerhe. A dicté, bah, on peut. C'est pas facile, hein. À l'époque, on dictait par Vital Kamerhe. Même les mêmes que Vital Kamerhe étaient avec eux. A dicté, bah, on peut, au hasard, on dictait Kabila. Si c'est le cas, a dicté, bah, on peut. Non, je voulais juste te dire ici que Kabila, c'est un homme de paix. C'est un homme, oh, il y a un homme qui a été divisé, quatre rébellions. Plus de 167 groupes armés. Ceux qui ont fait le lot, ils ont fait le Goma. Pour qu'ils aient Goma, il faut que le code du Rwanda. La balkanisation est déjà en marche. Dans la province, nous sommes sous occupation, il y a une rébellion. Il y a un bon papaya. Kabila lobby. Pour la bolingue, pour la kimia, pour la bungisa, makanisi, pour la bungisa, le coup, il y a un père fondateur. Il y a un peu de bounaki pour la lipanda na biso. Il y a un peu de tangisa qui makila pour que le Congo soit le Congo. Je suis prêt. Accueillir tout Congolais. C'est grâce à Kabila que Bembe est devenu politique. Aza qui rebelle, grâce à Kabila, les Mende. Oh, Moussou Sakena, France, ou Ananani, Bakangaye, ou Ananani, Roger Lumbal. C'était des rebelles. S'ils sont devenus politiques, Batigi lutte armée, c'est grâce à Kabila. Le loup, il faut pas se rater à merci. Même Jean-Pierre Bembe, là où il est, appelle ça Kabila merci. Si le MLC, branche politique, les lots civils est créé, c'est grâce à Kabila. C'était des militaires, c'était des rebelles. Ils sont nombreux. Donc, au moins déjà, dimension à Moutouana, Azali Moutouya Kimia, toi, à quoi est Vraka, ti, dans Souka Moukili, ti, na Souka, Zou Moukolo Rosé, Nzam Rosé, qui peut manayer Kende. Bon, qui t'a liboso, bati la ke, liboso, batotou, batotou, na simana, yenge, kolaksani, bamsouba lobi, et que, ako souffri, n'en a nankin de ko Patrick et à la lobi, ako souffri, na posa, et qui t'a bon kondinde, ba sala ki, on peut l'on l'aimer souci. Kote la moi, qui t'a liboso, et batonio. De goulangaï. Wana kolanaga ba robot communicant, ya, union sacré naï de peste. On les a discours, ya ba taliban, ba robot communicant. Tellement les images d'hier, et puis ça qui va en souci, et puis si va en insomnie, va la lipongité. Parce que vous avez même accoutrement Joseph Kabila Lati. Vous avez dit, vous avez fond, et vous avez critiqué la réconciliation de Katanga et Zézalité. Comme si vous avez dit, vous avez une futilité, accoutrement. Qui n'a pas d'importance. Qui n'a pas d'importance par rapport à Yaba Sizouana. Il y a un niveau Makamouane. Il y a un niveau Makamouane Zalaki. Au moins déjà que. Bazaki n'est pas les maté. Kiti, est-ce que Joseph Kabila m'a dit ça qui va organiser la bataille de Kiti? Est-ce que tu penses que Nandenge va congoler Joseph Kabila? Si on va dire que Kiti peut mettre la Moïse Katoum, ou bien Kiti na foule, na bawana, est-ce que tu vas faire ça? Kabila n'a pas fait ça. C'est un homme simple. C'est un homme ordinaire. Angara Fan. Et puis, avant tout, tout beau sanate, Kabila c'est un ancien chef de l'État. C'est un ancien chef de l'État. C'est un Katangi, Mazali, ancien chef de l'État. Il mérite respect, na honneur. Pas pour ça, mais tu sais que en 2023, il y a un ancien chef de l'État.
soit une réconciliation, il y a bah Kasaye, n'amour pompa. À Kéné, à l'hôpital de Saint-Antenaire, au Kabila Tonga, à Tanangale, à Kabila Bungisa, à Basale, à l'examen. Examiner. Il y a une réconciliation sur le plan national. Mais tant au sommet de l'État, chef de l'État qui est par la Bango, a eu ce match à Moumen. Pourquoi pas Katanga Bauganate? Pourquoi pas Katanga Bauganate? Ceux qui sont cassés, ils ont la réconciliation de Yokana. Par rapport à la province, par rapport au développement de la province, ils ont dit qu'est-ce que ça a à voir avec les Katangais? Ils ont dit que nous avons la réconciliation. Tous les leaders ont dit que nous avons. Nous devons réfléchir sur notre monde. Déjà Nous devons. Ça, c'est vrai, je te dis. Je te dis, c'est vrai. Ce que les Katangais ont fait, c'est quelque chose où il faut inspirer la province de Bélé, notamment les Kassaïens. Mais dans ce moment-là, il y a des gens qui sont en Kassaï, les athées, ils sont en. Le problème, c'est que je vais avoir ma réconciliation. Si on a une réconciliation, on a une chasse. On a une triste hôtel. Mais si on a une chasse, ils sont en Kassaï. Mais ma vie, quand il y a une bébé en province, il y a une chasse, il y a une chasse, il y a une chasse, 18 ans. 18 ans, Kabila. Kabila Noma, déjà gouverneur, il y a Moutabandou Nouakassai. L'administrateur des territoires, il y a une union sur Kabila Noma, il y a déjà Katangé. Ce sont des Kassaïens. Ceux qui ont ces provinces là-bas, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Kabila a mis les moyens, il a fait beaucoup de choses, il a conçu des routes. Kené Natikapa et tout ça, tu vois des routes construites. Kené Naba Mouenka, Kené Naba Dibaya et tout ça, tu vois voir des routes. Les deux impôts le plus long du Congo, c'est na Kassai, ils ont Katangate. Les ponts Luangé, où ils permettent de négocier sur Kassai. Alors, on a la Kassai dans le bougement et la vélo, qui est-ce que c'est ça? Bamsou Koubaya Makolo. C'est Kassai Kabila. Barrage à Katen, des Arabes, dans Katan. Ma barrage, on a le Katen de Kakobo là. Et ça, dans la frontière, Bandundu, Kassa et tout ça, souci dans la Guinée, la vision de Kabila va éclairer les deux provinces. Wana. Et plus précisément, Kassaï, na Bandou. Moutou, il y a un ici, Wana. Avec Moutou, il y a un ici, il y a sa province. Kabila Vankine, il avait donné 10 millions de dollars à ce gouvernement pour la redynamisation de Miba. Les entreprises minières, oh, ils ont encore, ils ont nanuna Kassaï, ils ont dans la coopérative minière, oh, ils ont ça là que diamant et tout ça était dans Kassaï. Nana ça là que climat y a paix, climat d'affaires ils ont apaisé pour que l'investisseur va investir dans Kassaï. C'est Kabila. C'est Kabila. Chacun de nous a une part et une responsabilité. Aux gouverneurs, aux administrateurs de territoire, aux bourgmestres, il faut qu'on ait part et la responsabilité. Tout ce qu'on a Katanga, na Katanga, les Katangais se sont réunis, les choses se sont passées dans la paix. Makamwe dit qu'après Nalobi, Toibike,
il est utilisé par le régime en place. Yesora Zalaki, na idée, il y a réconciliation à Solo Solo. Il devait prendre son avion. A genetik atang. Maewana lobia on a pas une presse na Kinshasa. Il fallait que Lobango na katia ba télé zaki organisé. Pendant ni na Lobango awa, na rotana so ki la fleuve Congo hotel, ba foutelle ba média et tout ça pour aloyang. Est-ce que quand il y a un forum, on a interdit aux gens de parler? Pour preuve, il y a une tendance. Tu es ensemble, tu as perdu, tu as perdu à Kala. Il y a un pouvoir actuel, il y a un ministre. Il y a un ministre même déjà la situation. Est-ce que tu as un petit ministre? Tu as Serge Kondé, Moutou, il y a un mot arabe. Kibasa. Kibasa. Est-ce que Kuna Nakatanga? Parce que Katanga est en colère pour sa canette. Si on a besoin de Kinoa, on a la colère pour Katanga. Donc, leur propre frère les a roulés dans mon ram. Est-ce que Kuna va péter à l'ouba? Maga, il va péter à l'ouba. Est-ce que Oka va péter à l'ouba? Va péter à l'ouba. En toute fraternité, ma l'ouba à l'ouba. Exprimer ce qu'il pense. Alors. Et là, je suis au Pénin et Sali qui va congoler partout dans le monde. Est-ce que le papa Kabila Lobby, est-ce que le moi Namboka Joseph Kabila Lobby, et ça n'est pas le cas, c'est ça, tant que moi Namboka Moko, on a 4 ans, et c'est tout le mioté na Swahil, il n'y a pas de zone ici, on a peine à l'embibinoté. Est-ce que c'est un message fort pour nous que ça dit que moi Namboka Joseph Kabila a tenu à ce que la zone a les sources en 2023? Plusieurs fois dans ma mission, Joseph Kabila a été sénateur à vie. Sénateur à vie, il a été titre honorifique aux constitutions, dans la loi Moussoussou, organique et PCI. Quand il a sénateur à vie, ils ont conféré certains privilèges dans le droit. À quoi qu'on renonce, peut-être pas privilège. Mais mon bec, mon côté, c'est la constitution, mon bec, c'est la loi organique. Et Pekin, si Joseph Kabila a brigué un second mandat, un autre mandat, pour ne pas parler d'un second, un autre mandat, il y a l'élection, il y a l'élection. Exalité, loi mon côté. Mais bon, on a un peu de temps que je suis allé à la ville pour que je te dise que je suis allé à la ville. Mon père, 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 mon cycle wana esili. Mais est-ce que ça certifié dans la constitution? Mais constitution est clair. Constitution bon il est là. Troisième mandat successif. C'est ça l'interprétation. Problème à IDP ces années. Au moment il y a notre lobaka, il faut faire une opposition républicaine. Quand on bise sur tout ça, on a mibeko wana ba constitution. Tout ça, la réforme, il y a justice, il y a armée, la réforme, il y a dans le domaine, il y a finance et tout ça. L'IDP était en train de marcher pour marcher ici. Des fois, nuit sur le boulevard du 30 juin, on va aussi marcher les Anatines. C'est-à-dire, il y a un esprit à la constitution. La constitution qu'on laisse interdit à un président en fonction de briguer un troisième mandat successif. Et la nani, au coquin, au salamoté. On ressent la moko, on va ici dans moko. Sauf que ça a mis balai, ça la passation civilisée à pouvoir au tiki. Parce que si Kléwana, oh le constitution précieux est coquille. Mais tant aussi si Kléwana. Et le peuple qui est coquille aux zones. Mais n'est-ce pas que tant que mon bec, on va péter sur le thé, aux zones, c'est que ça permet. C'est ça l'esprit de la constitution. C'est ça l'esprit article de la Constitution, qui parle de mandat et chef de l'État. C'est ça l'esprit. Oh non, ce wana, naïbike, ils ne sont pas forts. D'ailleurs, les plus grands juristes, il y a IDP, c'est Zanani, Mata. Les plus grands professeurs, il y a droit, IDP, c'est Mata.
Yo, vous comprenez déjà, Mata, le plus grand professeur, il y a droit. Mais il y a un professeur. Non. Professeur, il y a droit puis en Afrique du Sud. Attends, il y a une université d'Afrique du Sud. Yo, il y a un professeur, il y a droit. Docteur, de surcroît. Kenne ou quand même dans la bibliothèque, l'armatan, on se dit, Kenne ou la publication, Mata, ça là, sur le droit. Balobi est que bozana na makambo ebele au faut bosser la population pardon bo oui la ka bozonga na pouvoir balobi faut bosser na makaba pardon na mamba fausse commune balobi faut bosser na pardon na famille Rossi Kitenge balobi faut bosser na pardon na famille Thérèse Kapangala balobi faut bosser na pardon na ba peuple congolais va bino bozonga il y a même raison et celle que muzito alongwa na bloc patriotique pour balobi que bino il faut bosser na nous pardon va bosser na bango mais bino boko oui la kozonga na pouvoir. Musique de Salomon. À Lomoué, le bloc patriotique. À ça, il déclare ça à Lomoué. Officiel. Non, non, l'année d'avant. Tu as été dans le bloc patriotique. Dans l'année d'avant, la Mouka. Dans l'année on a noté qu'il y a Lomoué officiellement. Mais à Lomoué, quand même, Kébino, faut bosser à part. Ce qui est à Lomoué, c'est tout à fait normal. Joseph Kabila, le bango, qui est résistant, soyo, face à un régime, il te béni, il va te raconter. Surtout, il va te dire qu'il y a. Parce que là, qui est habitué que type digestif na bango, il faut être tonda, va lire ba tonda. Bato parce que obligé à lire sur plusieurs tables. Faire la résistance, ça ne sera pas facile. Ce qui a Longwe, bonne chance. Alandi beau fils naé. C'est sûr et certain que beau fils a travaillé pour que akene kuna na union sacré. Bonne chance. Ce n'est pas un problème. Nous allons continuer à la résistance. L'amour capé. La politique rationnelle. L'amour capé Goku Faté. Quelle politique rationnelle? Pour la première fois, Namoni Mayele a Mouzito et Kiti. Il fait des déclarations déjà. Je suis content pour la mobilisation à recette et tout ça. Andimi, vraiment. Jamais réalisé. Il va battre le record. Io. Voilà comme ça régime actuel. Pour que ça la mobilisation à recette. Ils ont la conditionné dans les locaux mon compte mi balé. Réforme. Non, orthodoxie budgétaire. En matière de finances publiques, régime actuel, réforme menin baye na ngou. Oh bah sali dans l'entreprise na ba DGI, au FIDA, na l'entreprise on a non ce ça la mobilisation recette pour que mon soulèvement. Exactement. Toutes les réformes initiées dans la entreprise on a DGI et tout ça. Et ça va œuvre à Joseph Kabila dans les différents gouvernements. Il y a des gens qui ont été dans les DG, c'est lui. C'est lui qui a initié certaines réformes en cours dans les DGI. Mais de l'autre côté, nous avons une moins contradiction. Non, parce non, que non. Moi, je suis un peu que ça grâce à la code mignon qui a des recettes maties. Il y a des gens qui ont été. Je ne sais pas si c'est un jalon. Je vais te dire que. Ok. J'ai dit que. Pour que la mobilisation à recette salement, il faut des réformes. Je te parle des réformes dans le secteur, il y a une entreprise publique. Pour que ça sera mobilisation à recette. Okay. Toutes ces réformes qui ont été menées là-bas, ils arrivent à œuvrer à Joseph Kabila. Ça, c'est un. Très bien. Na, deux jours, il y a un gouvernement, Joseph Kabila, il y a un. Mais les lots. Deuxième élément majeur, dans le cadre toujours de la réforme, c'est le code minier, qui est l'une des grandes réformes dans le domaine de la mine en Bourganabiso, qui est l'œuvre de qui? De Joseph Kabila. Les multinationales avaient promis la mort et pas Joseph Kabila. Il a dit niet, la patrie ou la mort, code minier Kozala. Publié dans le journal officiel et vous appelez applicable à telle date et ça les mois. Donc, en matière de réforme, le nouveau régime n'a fait aucune réforme dans le domaine de la vie nationale. Pour preuve, 4 ans durant l'Assemblée nationale, une seule loi a été votée. Comment voulez-vous que une seule loi en 4 ans, et puis, beaucoup de gens ont une réforme, ton mobilisation à recette. Donc, vous allez œuvre la bonté. Deuxièmement, je vais maintenant dans le fait. Moi, je dois dire que le principe. Dans le fait, pour le budget, comme il y a 12 milliards ou 15 milliards,
Bolobi réserve d'échange et Mati n'a 5 milliards ou 3 milliards. Nous disons, io, c'est une bonne chose. Mais, dans un pays où nous avons budget à 15 milliards de dollars, les enseignants de l'école primaire, les enseignants ou professeurs d'université sont impayés. Les assistants et chefs de travaux dans l'université, pour toi, ils sont en grève à tout moment. Mais bah, Mati, bon, quand même, salaire, on a beaucoup à reconnaître. C'est faux. Dans un pays où le budget est commis à 12 milliards de dollars ou 15 milliards, je vous informe que 3 ans, il y a un soldat dans l'armée, la police, il y a une dotation. Quand je parle de la dotation, tenue na bango, na ba botte. Na ba botte. Batika rozoate. Ne fiche que ça. Batika la rozoate. Mais, Bolomik doit la recette. Mais comment ça se passe? Dans un pays. Solo, babi, baba, touchant déjà dans le mois d'avril. Moi, j'étais des policiers. Et puis, va mécaniser. J'étais hier. 200 000 enseignants. J'étais hier à Bandal. Des policiers vont interpeller Ngaï. Il y a le kouta exalté. Bon, tout le monde va s'épiler dans la vidéo. Il y a le kouta exalté. Dans un pays où le budget est à 12 milliards de dollars, championnat national est Katani. L'État est incapable de prendre en charge le déplacement d'équipe. Dans un pays où le budget est à 12 milliards de dollars, je peux te donner d'autres cas. Tout le personnel soignant. Oh, bah, on a contre le Covid, bah, monsieur, bah, couvre, bah, tika, bah, famille, bah, on a ban. Bah, ça, 9 mois impayés, ne voulant pas. Dans un pays où nous avons un budget de 12 milliards de dollars, les députés provinciaux, bah, ça, 12 mois impayés. Oh, y a bien ce que tu as ban, nounou, y a quoi, lou, bah, monsieur, bah, y a quoi, couvre. Pour la nini, bah, continue à l'encriser, 12 personnes. L'encrisé, au moins dans le Koweït. Mais on compte à 15 dans 4. Bah ben c'est que conférence mon roi au Sogi. Oh bah dimanche Namaindome pour un projet il y a 147 territoires. Bah quand il 15 personnes à l'encrisé. Pour nanini, ils n'ont pas de moyens de vivre. Bah yepe mi balé to Sogi mon roi Koufi. Bah yawa mokona ki ba zokiye. Bah sunola il est passé sur Top Congo. Permettez-moi de citer ces médias-là. Pas de problème. À l'équipe de Top Congo, Abiba Sounolae. Alors, de quel budget vous parlez? Je peux vous donner des exemples comme ça. Dans un pays où nous avons un budget de 13 milliards, Banzele est au Ramate. Ma est au Bimate. Dans un pays où nous avons un budget de 12 milliards de dollars, Nakasai. Confort, on a mis nos mots journalistes à l'objet. Mieux vaut vivre dans le cimetière à Kinkole, bien à Mikonga, qu'aller vivre dans Kassai. Dans un pays où nous avons un budget de 12 milliards de dollars, basé en main à Kassai, ils ont 1500 francs. Dans Kassai, ils n'ont pas pompé. Parce que je suis là. Parce que moi, je suis là, voyage. Oui, comme il y a ceux qui sont 189 voyages, ceux qui descendent voyages. Bon, on a un jet privé pour la banane à Bango. Pas que nous fêtions l'anniversaire à Dubaï. Non. Réalité, bah, chiffre, on a. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Bambate, pour un gouvernement sérieux, ce qui va salir, mobilisation va recette. Bon, aujourd'hui, nous allons faire ça, et priorité. Priorité, Liboso. Nous avons l'état de siège. Batou bazakuna, l'état de siège, basenga rambong. Batou tini abango 650 000 dollars. En lieu de place, il y a 3 millions 4 millions basenga. Mais on zambo kalobi banda armée na biso ezala armée non ba investissant mbongo ebele bo ete nenga ko investir. Na lobi, soki kutu dotation militaire ya kati. Et bilamba ba pesa bango te. 4 ans, tout na monta union sacrée. Combien de fois le gouvernement a ébouillé sur mon sol pour doter l'armée de Bibundeli? Nous sommes en guerre avec tous ces groupes rebelles-là. Nous sommes en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda. Marie Bokeh, ça n'a pas une mutualisation. Le gouvernement a sorti combien de moyens pour doter notre armée des munitions, des armes qu'il faut pour que tout le monde soit rebelle.
Bibundele onyonso bazobundela kuna na est wana. C'est Kabila qui a acheté. C'est Kabila qui a acheté. Dans un pays, nous avons un budget de 12 milliards de dollars, 15 milliards de dollars. Kabila tika qui 4 a créé compagnie d'aviation Congo Airways, plus de 4 appareils. Le lot est très limoko. Bah il va commander oui, tu sais quoi. Oh, on est ça va commander na future. Bah il sera bien déjà en 2019 que oui Boeing ce que Airbus c'est quoi et wapi. Bah que louer le biso, bah Embraer, bah vieux moko ya ya Brésil là ou ya car. Ya Kenya Airways, bah Brésil a contrat le lot. Le lot Congo Airways, ils ont kené koko ya. Ils ont kené koko ya en faillite. Bah tu kené appareil moko. À quoi sert ce budget-là? Ce fameux budget, Nicolas Kazadé, il y a des gens qui sont en non, ils ont le coûté. Les recettes, certainement, et continuent à manquer dans la régie financière, du fait qu'il y a code minier, du fait qu'il y a la réforme initiée par Joseph Kabila, où ils ont fait les lots. Mais le peu d'argent-là, les régimes en place ne savent pas canaliser ça. Pour orienter ça, on a besoin primaire de la population, notamment les salaires. Les salaires en caractère alimentaire, les enseignants, les fonctionnaires de l'État sont impayés. Sont impayés, les médecins sont impayés. À quoi sert ce budget? À quoi sert 5 milliards de réserves d'échange? Merci beaucoup, mon amour. Je suis très bien. Lentement et sûrement, je suis très bien. 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 Je suis pour le sorti médiatique, na Burundi, et ça, c'est malam, t'étant où est-ce que mon konzambo kalobi, y'a yéna Burundi, pour atteindre le comment est-ce que l'armée a organisé pour azoamaye les aya quoi appliquer, topé comment est-ce que secteur y'a agriculture, et ça organisé pour y'a quoi appliquer à la Congo. Est-ce que ça m'a bien, madame, au mon konzambo kalobi? Dégoulangaï, je suis très déçu. Namamamoué l'obami na Burundi. Mais moi, en tant qu'un homme politique averti, ça ne me surprend pas. Pour Nani, l'UDPS n'a pas été formé pour gérer. Nous avons dit qu'on a des missions, l'UDPS est un danger en Boka Wote. Nous avons fait un tableau général. En 2018, quand Kabila a tiré à Kibokunzi, notre armée, en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de réforme que Kabila a menée, notre armée était classée dans la 8e position sur le plan africain. De la première position jusqu'à la 7e position, armée kenyane les a quittés, armée burundaise les a quittés, armée rwandaise les a quittés. Na barmé wana nyonso ya kil kolona biso. Barmé wana nyonso wana ezakite. Il y avait le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, mboka nini sous Égypte. Égypte. Afrique du Sud, c'était des pays qui étaient devant nous. Mais des pays comme le Rwanda, le Burundi, ba mboka wana nyonso, même l'Angola. Angola qui na simana biso. Ça c'est vrai. Angola, dans le classement en Afrique. Classement basé là par rapport à Nini. Réforme. Formation permanente. Basé là pour Nini. Bibundeli. C'est-à-dire artillerie au Bozali. Matériel. Matériel. Barotala, est-ce qu'ils allaient sophistiquer? Est-ce qu'ils allaient dernière génération? On classe ces armées-là par rapport à ça. Et par rapport, il y a rendement aussi sur terrain. Parce que Kobo Sanate. Nous avons battu le M23, toutes les rébellions et les groupes armés, 167 qui est là-bas, ont neutralisé Rayamou. C'était des exploits énormes sur le terrain. 8e position. Tant que nous avons la 8e position, Kabila a tiqué le bisou dans le plan stratégique et développement. 50 ans, plan éthique aux Alati. C'est un plan directeur. Vous avez un indicateur. Vous avez un zéla. Vous avez un permis de faire des choses. Donc, le président Onyonso,
il peut améliorer ces plans-là pour que toi atteindre l'émergence en 2030. Il faut consulter tes plans stratégiques à développement. De un. De deux, sur le plan infrastructure, Kabila, quand il est arrivé au sommet de l'État en 2001 en Boka, en termes de route, d'infrastructure, nous n'avions que 5500 ou 6000 km de route praticables. Route en terre battue et route macadamisée. En 2018, à Tiki, 26 000 km de route praticables. Plus de 6 000 km, il y a route asphaltée, c'est-à-dire macadamisée, et plus de 20 000 km de route en terre battue. Atiki, budget n'a combien? Atikaki, réserve d'échange n'a combien? Kabila a trouvé une dette de 15 milliards de dollars. En 2018, tant que Kabila a été, Congo a sous son nyongote. Mais Lelo, là où je vous contredis encore, où je te contredis pas, mais je contredis les chiffres qu'on nous donne. Nous avons un budget de 12 milliards de dollars, mais nous avons une dette extérieure, Lelo, à 8 milliards de dollars. Bah lui va payer tout et vivre en dette, soit n'est-ce pas normal. Non. Bah lui paye mon côté et ça gagne non. Un pays, pourquoi vous se comparez? Ces pays-là qui vivent avec la dette, bah ça n'est pas une économie forte. Bah ça n'est pas une économie extravertie, n'est-ce pas sautée. Bah qui n'est pas économie moko assise, c'est-à-dire ils peuvent tenir n'a pas perturbation. Il y a un prix, il y a des matières premières, il faut tenir la crise économique mondiale. Il y a un Covid et il y a un peu de temps. Ah non, bon, parce que Covid est là. Covid est là. Il y a un Afrique, il y a une élection sous Covid. Il y a un peu de élection sous Covid. Mais déjà, il y a un là. Propos chef de l'État. Donc, le propos de l'État, le propos de l'État, il y a mal à monter. Comme je disais, le chef de l'État ne peut pas être un plaintif. Vous ne pouvez pas prendre un avion. Oyo, ba Congolais ba foute lio. Aucun à Burundi. Pendant que le baquet, je suis venu ici pour voir comment votre armée est organisée. Enfin, na kenego dupliquer en haut. Na Congo. Ça, c'est moquer des militaires congolais. Franchement. C'est moquer des militaires congolais. C'est moquer des spécialistes y armés. Autres là, bah moi, bah qu'est-ce bah Israël, bah qu'est-ce bah Chine, bah qu'est-ce bah rebelle. Le Burundi n'a pas une armée forte comme une armée congolaise. L'armée burundaise ne peut pas faire face à l'armée congolaise. Mais il dit qu'ils ont organisé que les Kabiso. L'armée burundaise n'est pas mieux organisée que l'armée congolaise. Même l'armée rwandaise. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Même l'armée ougandaise là n'est pas mieux organisée que l'armée congolaise. Le problème ici, c'est le régime en place. Qui fait en sorte que l'armée n'a pas organisé. Le problème ici, c'est M. Tshilombo qui veut vendre une mauvaise image à Mboka la mission de Mboka Papaya. Bah, tout le monde a que notre enseignement n'a pas de niveau, que notre armée est une armée inexistante. C'est faux. Et Babi Kote n'a pas souffert dans un langage diplomatique correct. Est-ce que ils ont moins de défauts n'a eu, bah, tout n'a eu, bah, quoi admettre. Mais on ne devient pas un homme politique au sommet de l'État. Ça, c'est la différence. On ne devient pas, mon frère, un homme politique au sommet de l'État. La politique est là, n'a pas d'initiation dans nous. Quand je parle d'initiation, je dis, ah, tu bêtes, tu es FCC, non. Tu veux dire soigner la tsani. Initiation, c'est-à-dire que vous devez être formé. Bien sûr. Vous êtes bichot. Nous sommes peu perdus. Tous les instances de formation, école du parti. Dans l'école du parti, tous les cellules, les sociétés savantes. Il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des économistes. C'est là-bas qu'on vous apprend les ABC à gestion. Comment un homme politique se tient quand il est devant le peuple? C'est là où on vous apprend les langages diplomatiques.
balobarate sur le plan diplomatique. Quand tu deviens chef, tu ne peux pas tenir tel langage en tant que chef de l'État. C'est là où on t'apprend le vocabulaire politique. Parce que politique peut avoir un vocabulaire en anglais. Mais est-ce qu'il y a une cause de la franc-parler-té? Non. La politique franc-parler, à ce niveau-là, il y a un membre franc-parler-té. Tout se passe dans le canal diplomatique. Tout se passe dans le niveau de vocabulaire diplomatique et politique. Parce que même si tu veux dire oui, la diplomatie, la jargon politique, ils allaient dans le langage en Orolobila. Ok, très bien. Ils allaient dans le langage en Orolobila. Très bien. Mais ici, nous sommes face à des amateurs, des incompétents, qui n'ont jamais été formés d'abord pour nous cambier en boca. Oh, les qui n'ont pas cursus ou en avion sauté, pour dire que. En tant que chef de l'État, en tant que premier ministre, en tant que ministre, je ne peux pas tenir tel langage. Et j'ai la raté. On ne peut pas partir à l'étranger pour dénigrer son armée. On ne peut pas partir à l'étranger pour diminuer ses enseignants. Pour diminuer le système éducatif de son pays. C'est très gravissime, mon frère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Toujours, on a encore un régime. Mais quand tu dis que non, Azo Sepela Makasi, Azo tenir à cœur, na projet où il y a chemin de fer qu'on a la de Tanzanie, Burundi, qui nous na kati ya Congo, topé na pont où il y a cinq sabis sur na Burundi, bino bon moni angoboni. Ndegonanga. Là encore, il y a un problème de vision. Au moni lelo, Monsieur Tulum, on a eu de pèse. Ma côté sur ma association sous-régionale est belé. Alors, RDC a continué à telle association sous-régionale. RDC. Moi, je me suis plaisir à rencontrer une association sous-régionale. Mais sur le plan économique et politique, quand vous entrez dans une association sous-régionale, il faut que vous ayez un rendez-vous à donner et rendez-vous à recevoir. Tant que vous avez une association sous-régionale, le Congo amène quoi comme matière? Si c'est que des hommes m'habillent sur l'association sous-régionale, Wana, tous dans la net, ils payent moko exploitant. Où il y a des gens qui ont structuré leurs économies, bah, quand on est dans la net, ils terrent moko il y a commerce. C'est-à-dire, bah, côté, tous dans la moko to consommaka. Bah, produit en moka, ouais, moussous. Au lieu que bisopé, to. Au lieu que bisopé, to teka. C'est ce que nous pouvons faire. Il y a un moment dans Joseph Kabila, il n'était pas pressé à rencontrer sa Congo dans la carte d'association et belle sous-régionale. Pourquoi? Parce que, plus les consommateurs que les vendeurs, que ceux qui vont exporter des choses. Il fallait d'abord qu'on s'organise, que tu dises diversifier notre économie, que nous puissions avoir une économie forte, dans Joseph Kabila, dans notre Congo déjà, et que Bissot peut être un pour exporter les savoir-faire congolais, pour exporter les bilans qu'on a mis sous. Vous comprenez. Il y a quand vous construisez, le pont route rail, le pont route rail Congo-Brazzaville, on va nous inonder ici des produits qui viendront de ces pays-là. Voilà pourquoi tu sais que les bazoches sont précieux et pas là. Ça s'ouvre sur la mort en annonce. Kabouta, Mousseveni et tout ça, qui est en lieu et place. Ma concrétiser vision Joseph Kabila Banaki, il y a pas un nom profond. Il y a Banana, qui est un pont qui va nous permettre de s'ouvrir de plus l'économie internationale pour que ma bateau est minéné. Et là, il y a un costété dans le pont de Matadi. Et comment accoster Kuna pour que Bissopé, Bapakebo, on a yaminé Neya, Biloko Eya et Bélé, et ça a un impact sur notre économie. Quand lui place, il y a Koton Anzila. Les trains, on a les chemins de fer, ça ne sera pas à notre avantage. Ça ne sera pas à notre avantage. Avantage d'un psycho et aligné, il faut construire le pont en eau profonde. Avant que
le pont route rail où il y a Congo Brazzaville est là et ben on retourne pont non profond. Si vous avez déjà la pont non profond, vous pouvez évacuer facilement les marchandises congolaises, les produits congolais pour les céréales, et puis vous pouvez maintenant consommer les produits moussous en bois papaya à travers ces paquebots qui viendront pour qu'enfin économie économique extractive. Okay. Et puis, et comment une économie diversifiée. Très bien, mon ami. Au-delà de ça, il faut des lois fortes pour encadrer cette économie. Okay. Ces marchés, bonjour, écoute. Parce que pas matin, ici, mon ami est ratifié déjà sous Joseph Kabila. Tu comptes dans le système WADA. Tant que tu comptes dans l'association sous-régionale, est-ce que bonjour, qu'on s'est référé dans la plateforme de Tokota et le système WADA? Est-ce que vous tenez compte dans le climat d'affaires et de la tout ça, ce sont des choses que le régime en place devait réfléchir, mais malheureusement, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps d'élaborer la stratégie, ils n'ont pas le temps d'avoir la projection en développement de la. Voilà pourquoi nous sommes en train de stagner. Merci beaucoup mon amboka to sepeli makasi na opportunité possible sur le yakoyambayo to komi vraiment na suka émission na biso moi liloba na ba kongomani na lobaka mingi mingi na bande ko na biso ya est plus précisément na djugu esika mabeko le kamini mikolo na yebisi bande ko na biso nyonso ya Beni ya Butembo ya Goma ya Rumangabu ya Isiro ya esika nyonso bozo vivre na pasi hier ou avant-hier j'ai vu encore de vidéos. Et puis ça n'a pas où on est en train d'égorger des femmes et des hommes, des enfants, ça m'a fait très mal. L'état de ces a échoué. Ce qui vous avait promis le bonheur, ce qui avait critiqué Kabila farouchement, qu'il était incapable de sécuriser la frontière en Burkina Faso, la partie est, qu'il était incapable de instaurer la paix, aujourd'hui, ils sont au pouvoir 4 ans. Bazo boma koleka état de siège, insécurité commis ma casse koleka avant état de siège, le bilan est mort, il y a déplacé les lots, et zala, aujourd'hui ba chiffre pas société civile locale, aujourd'hui ba chiffre dans ma ONG internationale, au monde le nombre de déplacés c'est en termes de millions, le nombre de morts c'est en termes de il y a 10 000 et 8 000, certaines sources parlent même de 15 000 morts. Pendant l'état de siège, le nombre de disparus, batoyo, babungati, si quoi, mon idée montée. Mais on ne peut pas attester que Bakoufi, Eza et Bélé. La situation devient inquiétante dans la partie est. Mais nous devons mettre fin en 2023 au régime pour nous permettre, enfin, que les Congolais, au bas de la volonté, yaboka mimoka, bachama yele, de continuer dans l'élan et le développement. To continuer na élan y a sécurisation ba frontière na biso to continuer na élan y a copé sa makoki na bibundeli na FARDC pour qu'enfin nous pouvons faire face na Rwanda Burundi na mboka na nyonso parce que ce sont ces pays là que la fameuse communauté internationale utilise pour déstabiliser davantage est mboka na biso afin de piller systématiquement nos minéraux. Ou il permettre le développement dans Rwanda et puis il permettre de développer le téléphone, la batterie dans Mboka Papaya. Pour preuve, le lot, Rwanda a le premier producteur, il y a cobalt, il y a uranium. A lancé même peu usine à téléphone, il y a téléphone. Voilà. A le premier producteur, il y a cobalt, il y a uranium, il y a minéraux, il y a mon sur son sol, il y a la route. C'est quand même bizarre. Comment un pays qui n'a pas les minéraux dans son sol, mais à la première à cause de la première producteur. Pour mes producteurs, les minéraux dans Zorango, ils ont les minéraux de sang. Okay. Les sang des Congolais qui coulent. Très bien. Il y a un autre monsieur Tshisekedi. Les contrats bâclés que vous avez signés avec le Rwanda, le Burundi, les contrats que vous êtes en train de signer avec le Kenya et tous vos partenaires privilégiés, ces contrats-là, au prix à Makila, les Congolais, en 2023, les Congolais, pour Téléma, élection, Bissot, Lingiango, vous devez respecter les préalables de Topessi. Au cas contraire, les Congolais se prendront en charge pour qu'en 2023, Tobengana, M. Félix Tshisekedi Tshilombo,
et sa bande de l'UDP, c'est l'Union Sacrée. Merci beaucoup, mon amboka Serge Tubin. Bandeko Balandi, ma mission télévision, je pense que bo sepeli mingi na makanisi mo na mboka bimisi ngana bino to bénéficier mingi na kati et puis to comprendre lo lenge kani mboka na biso ko kende na ko ya na réflexion na bisa bino o ngana ko kanisa pona lelo soki nzamba sungi to mona nyimba la sima bye. Ma mission TV, le miroir du monde.